صباح النور تلاميذي الأعزاء، السنة الثانية بكالوريا علوم رياضية. سنقوم بإنجاز تمارين من سلسلة كويس التعلمات. بونجور ميزيلان دي نيفو دوزيام باك سيونس مات بيوف بيان سور. Aujourd'hui, on va traiter des exercices à partir d'une série d'apprentissage. Cette série est très importante. Toujours, on est dans nos chapitres de ligne de continuité. On a abordé la fonction racine hélienne plus la fonction arc tangent. Donc, on commence. On va partager l'écran avec vous, mes chers élèves. Voilà mes chers élèves, donc on commence le premier exercice. Je vais choisir une couleur convenable. Nous avons exercice 1, résoudre dans R. Équation suivante. Bon, l'équation c'était 1 moins racine cubique de x sur 3 moins racine cubique de x. Le tout occupe 225 égale 0. Voilà. On va l'appeler l'équation 1, comme ça, on ne peut pas répéter. Donc d'abord, on détermine sur quel domaine cette équation a un sens. Donc il faut que... Il faut que 3 moins racine cubique de x différent de 0. Et x doit être positif. Donc il faut... On continue. Donc racine cubique de x différent de 3. X positif équivalent à x différent de 3 au cube, ça fait 27. X positif est équivalent à x appartient à R plus. Moins 27. C'est-à-dire x appartient à 0, 27. Il y a 27 plus l'infini. Donc voilà le domaine de définition de cette équation. Donc D de E, c'est 0, 27, ouvert bien sûr, il y a 27 plus l'infini. Alors on va résoudre l'équation dans ce domaine. Donc quel que soit X appartient à D de E, hein, donc X appartient à l'ensemble de solutions. C'est qu'on va opter S. S, c'est l'ensemble de solutions. Il est équivalent à 1 moins racine cubique de x sur 3 moins racine cubique de x, le tout
la puissance 3, le 125, c'est nul également à 125. Alors, sachez que 125, c'est le 5 occupe. Donc, qui est équivalent à 1 moins racine cubique de x sur 3 moins racine cubique de x à la puissance 3 est égal à moins 5 à la puissance 3. Donc, il est équivalent à 1 moins racine cubique de x sur 3 moins racine cubique de x est égal bien sûr à 1. Donc, égal à moins 5. Voilà. Donc, on fait, on développe, ça veut dire 1 moins racine cubique de x est égal à moins 15 plus 5 racine cubique de x. Donc, ça veut dire que 4. Voilà, donc c'est 1 plus 15 est égal à 5 racine cubique de x plus racine cubique de x, bien sûr. Donc, vous voyez, mes amis, mes chers élèves, est égal à 6 racine cubique de x. Donc, il est équivalent à racine cubique de x est égal à 16 sur 6 est équivalent à racine cubique de x est égal à 8 tiers. Donc, x est égal à 8 sur 3 à la puissance 3. Autrement dit, x est égal à 512 sur 27. Donc, implique S, c'est un nombre qui appartient au domaine, appartient à D de E. Donc, S est égal à le simple temps 512 sur 27. Alors, la deuxième question, exercice 2, mes chers élèves, c'est montrant, premièrement, montrant que, quel que soit x appartient à R, cos de arc tangente x est égal à 1 sur racine de 1 plus x carré. Deuxièmement, montrons que quel que soit x appartient à R, sine de arc tangente x est égal à x sur racine de 1 plus x carré. Alors on commence, monsieur Zélé, par réponse. On pose arc tangente x est égal à alpha, est équivalent à x égale tangente alpha, avec alpha compris entre pi sur 2 et moins pi sur 2. On sait que, bien sûr, 1 plus tangente carré alpha, ça c'est une formule qu'on a vue en première bac et en seconde, c'est-à-dire en plan commun. Donc, cos carré alpha, c'est 1 sur 1 plus tangente carré alpha, qui est égal à 1 sur 1 plus x au carré. Ce qui implique cos alpha qui égale la racine de 1 sur 1 plus x carré, parce que cos alpha positif sur cet intervalle qui est égal à 1 sur racine de 1 plus x carré. Donc cos alpha, c'est arc tangente x, est égal, bien sûr, 1 sur racine de 1 plus x. Donc voilà, mes élèves, le résultat qu'on veut pour
cette première question. Deuxièmement, on a tangente alpha égale sinus alpha sur cos alpha. Ce qui implique sin alpha est égal à cos alpha multiplié par tangente alpha. Ce qui implique sin, je remplace alpha, c'est arc tangente x est égal à cos alpha. Tangente alpha, c'est x, multiplié par 1 sur racine de 1 plus x carré. Voilà. Donc, cos alpha et tangente alpha, donc est égal à x sur racine de 1 plus x carré. Voilà, mes chers élèves, la réponse de cet exercice concernant l'arc tangent. Alors, l'exercice 3 de la série, exercice 3, soit x, soit f, une fonction continue sur un intervalle i qui est égal à moins 1 zéro. Montrer qu'il existe C appartient à moins 1, 0, bien sûr tel que F de C égale C sur arc tangente de C plus pi plus 1 sur racine cubique moins C. Voilà. Donc, c'est ça l'objectif. On veut montrer. Donc, il faut penser au théorème des valeurs intermédiaires. Donc, d'abord, pour voir une idée, pour voir une idée, on part pour voir une idée sur le choix de la fonction à laquelle on peut appliquer le théorème du valeur intermédiaire. On part de FC égale. Voilà. Donc on part de FC. FC égale bien sûr C sur 4 arc tangente de C plus pi plus 1 sur racine cubique de moins C. Donc qui est équivalent. On va rendre au nom de matin F de C égale racine cubique de moins C facteur de arc tangente C plus pi A qui est égal racine C racine cubique de moins C. Je rends au nom de matin, pas plus. Arc tangente de C plus pi. Alors, j'applique la règle de proportion. Donc, C racine cubique de moins C facteur de 4 arc tangente C plus pi fois F de C est égal à C racine cubique de moins C plus arc tangente de C plus pi. Donc on va tout faire égal à 0. Alors C racine cubique de moins C 4 arc tangente de C plus pi F de C
moins c, racine cubique de moins c, moins 4 arctangent de c, moins pi, égale 0. Et là, voilà le choix de la fonction. On va appeler g de c. Donc c'est là le choix de la fonction, il est clair. Donc on considère soit g, la fonction définie, continue sur moins 1, 0, tel que g de c égale. Racine de x, voilà, on remplace x, donc c'est racine de pi 8 de moins x, arc tangente de x plus pi, f de x, moins x racine pi 8 de moins x, moins 4 arc tangente x moins pi. Voilà. Donc, bien sûr, on a g continu sur moins 1, 0. Vous voyez les élèves. Donc, on a g de 0. Donc, c'est 0. C'est 0, c'est moins pi. G de 0, c'est moins pi. G de moins 1. Moins 1, ça fait 1 ici. Ça fait plus 4 arcs tangents x là. J'ai oublié un 4. Voilà. Donc moins 1, c'est moins pi. C'est 4 fois 4, c'est moins pi. Plus pi, c'est 0. 0. Donc ici, c'est moins 1. Moins 1. Ici, on fait pi. Pi plus, oui, c'est 0, donc c'est 1. Voilà, donc c'est 1. Vous pouvez vérifier, c'est 1. Donc implique g de 0 fois g de moins 1, plus c'est 0, qui est inférieur à 0. Donc d'après le théorème de valeur antinomienne, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe c appartient à moins 1, 0 tel que g de c égale 0, c'est à dire il existe c appartient à moins 1, 0 tel que. Donc on avait g de c tel que f de c égale directement c sur 4 arc tangente de c plus p plus 1 sur racine cubique de moins c. Alors mes élèves, merci de votre attention de suivre cette séance sur une série pour approfondir l'apprentissage sur la fonction racine unienne et la fonction arctangent. On se rencontrera, Inch'Allah, dans une nouvelle séance de soutien. Bonne journée, bonne chance, je vous aime. J'espère pour vous une réussite en baccalauréat. Au revoir, mes chers élèves.